De l'orgueil à l'humilité, c'est le titre de la leçon de cette semaine, qui s'inscrit dans la thématique de ce trimestre sur le livre de Daniel. Nous voyons au chapitre 4 le roi Nebuchadnezzar recevant un songe de la part de Dieu. Et il fait appel à Daniel afin d'en obtenir l'interprétation. Daniel est saisi d'épouvante lorsqu'il se rend compte que ce rêve n'est pas un simple avertissement des choses à venir, mais un jugement que Dieu s'apprête à exercer sur le roi Nebuchadnezzar. Touché dans son cœur par le sort du roi, Daniel l'invite à se repentir en exerçant la justice, la compassion envers les pauvres et envers les faibles. Ce passage me touche particulièrement dans le sens où il m'invite à considérer mon rapport avec les autres, particulièrement ceux qui ne partagent pas ma foi, ceux qui ne partagent pas mes valeurs, et comment je suis amené à témoigner auprès d'eux. Non pas simplement en apportant du reproche et de la condamnation, mais en étant en mesure de pouvoir également apporter un message d'espérance, en pouvant être touché dans mon cœur par leur sort, et non pas simplement les tenir à distance, mais m'impliquer dans le salut que Dieu souhaite exercer à leur égard. Je vous souhaite une bonne semaine et une bonne étude.